Good morning. Allez, Idan et Sussur, aujourd'hui le Nechma Trayester, Batmiriam, Massacre, Fatou, le Vieux, Shimon Ben Trayester, Khamchat Mira Batrozlena, Minamin Ben Khabiba, Batur Shah, le Israël, si vous souhaitez aussi des prochaines études du Mishnah, comptez bien 5 minutes éternelles. Nous étions à Sakhatou, une période d'Alet Mishnah, Gimel, Mishiata, Birchut, Vamroulo, Gvarna, Asama, Asse, Yashlo, Alpaï, Mamal, et Kolorouach. Yemaya Batur Khatroum, Ke Ilou, Lo Yatsa. Shekol, Ayotim, Le Atil, Khosrin, Nimkoman. Bien sûr, on continue avec les Alachot de Troumin. Je rappelle le principe général. Lorsque Shabbat entre, alors chacun il est défini par un domaine dans lequel il pourra bouger, mais pas au-delà. Shvu ishtartav. Alors c'est ishmim komo, la Torah l'a dit. Vous sortirez pas de votre place. Chacun reste à sa place. Sa place, ça implique tout d'abord le lieu où je me trouve et autour un domaine, un périmètre de 2000 amas, autour de moi. Si je sors en dehors du Troum, alors c'est ce qu'on est en train d'apprendre depuis le début maintenant du prêtre, qu'on en parle longuement. Si je sors de mon troum, c'est-à-dire je suis défini par un domaine, si je sors de ce domaine-là, eh bien je ne peux plus bouger, je dois rester sur place pendant tout Shabbat dans les quatre amot. On avait parlé du coup, qu'est-ce qui se passe, quelqu'un qui était dans un bateau, et quelqu'un qu'on a appris, toutes sortes de cas de figure. Maintenant, on va parler d'une halakha particulière, Mishiyatsa Birchut, d'une personne qui est sortie avec permission. Soit c'est toutes sortes de personnes qui, essentiellement, ceux qui vont sauver des gens, une sage-femme qui va partir faire accoucher une autre femme, ou encore même, il y a, d'accord, un danger public, un danger, il va falloir, on a dû sortir avec permission, il y a une permission halakhique de sortir, et encore le partenariat porte encore une autre éventualité, on est sorti pour témoigner sur le renouvellement de la lune, et d'Outa Chodesh. Tout ça, ça s'appelle que la Torah, les Chachamim ont permis de sortir de sa place. Ouais, vous savez bien, pour le témoignage de la lune, de la Néoménie, le renouvellement de la lune, on aura même de venir de Haïfa, on arrive à Yerushalayim pendant Shabbat, même si c'est nécessaire. Ici, une fois qu'on est arrivé maintenant pendant Shabbat, donc je suis sorti de Birchut, je suis arrivé à Shabbat à Yerushalayim. En théorie, je devrais rester dans mes quatre amotes, je ne devrais plus bouger. Maxime, je suis arrivé dans une pièce, je devrais rester dans cette pièce, mais je ne vais plus sortir. Idem, en théorie, s'il y a un Matzil, comment dire, un sauveteur, qui est parti sauver quelqu'un, quoi, un ambulancier, il est parti sauver quelqu'un. Il a fini maintenant, il a mis le pansement, il a. Maintenant, quoi, en théorie, il devrait rester bloqué sur place dans les quatre amotes, s'il est sorti en dehors de la ville. Ben, malgré tout, la Mishnah nous dit non, c'est pas comme ça. Mishay Yatsa Birchut. Celui qui est sorti avec permission. Et même mieux que ça, c'est que Veham Roulo, et on lui a dit Gvarna Samase, non, ça y est, on n'a plus besoin de toi finalement. On t'a appelé, c'est vrai, il y avait une urgence, mais finalement, c'est plus nécessaire, on s'en est sorti. D'accord? Ben, la Mishnah m'enseigne, il n'est pas obligé de rester sur place. Yeshlo Alpaim Ama l'école Rouach. Ramim enfin décret qu'on va le laisser bouger de 2000 amas autour de lui. De peur que les gens, vous imaginez, c'est une sage-femme qui partait faire accoucher une femme ou bien n'importe qui irait sauver quelqu'un d'autre, il devrait rester bloqué. Eh ben, il n'y aurait plus de gens qui vont se mettre à les sauver pendant Shabbat. Vous imaginez, veille de Shabbat, il a été appelé en urgence, il est arrivé sur place. Vous imaginez comment il doit rester planté pendant dans les quatre amotes, pendant tout Shabbat. Plus personne ne va vouloir sortir aider l'autre. Du coup, Khamion, enfin décret, non, non, on te permet de bouger à 2000 amas aux alentours. D'accord? Tu n'auras plus le droit de revenir à ta place, mais tu as le droit de bouger à 2000 amas autour de l'endroit où tu es arrivé. D'accord? Ça te laisse une certaine possibilité de ne pas passer un Shabbat horrible. Yeshua al-Paim Amal Kolroach, même mieux que ça. Imaya Beto Khatroum, je traduis probablement littéralement, s'il est encore dans le domaine, dans son domaine de Shabbat. Kilo Yatsa, c'est comme si qu'il n'était pas sorti. C'est-à-dire, là, un petit peu d'attention. Je suis défini par ma place, et j'ai ma... Donc 2000 amas autour de... 2000 amas, ça fait 1000 mètres. 2000 amas autour de ma ville. Si je suis sorti maintenant pour sauver quelqu'un à 3500 amas. Vous vous rappelez, on a dit que... depuis l'endroit, quand je suis parti pour sauver quelqu'un, là où j'arrive, j'ai autour de là 2000 amas. C'est-à-dire que les 2000 amas depuis la nouvelle place vont entrer et vont entrer dans les 2000 amas de ma ville, puisque je suis sorti à 3500. Donc il va y avoir un certain domaine de 500 amotes qui vont se chevaucher, qui appartiennent à la fois depuis, c'était le troum de ma première ville, aussi c'est le troum du nouvel endroit où je suis arrivé. C'est ce que la Mishnah vient m'enseigner. Sache que Imaya Betocha Troum, si les 2000 amas supplémentaires qu'on m'a donnés, ils mordent encore dans le troum, dans le domaine initial de ma ville, qui est Ilou Loyatsa, c'est comme si tu n'es même pas sorti, tu as le droit de revenir à ta place, tu reviens dans ta maison sans aucun problème. D'accord? À la différence de quelqu'un qui avait mis un Hérouve à 2000 amas, à 3500 amas, et ben maintenant il est limité à
venir jusqu'à... Il aura juste 2000 amas depuis l'endroit où il est. Il n'aura plus le droit de rentrer dans la ville. Là, on considère en fait les deux, le double domaine. Le domaine initial de son Shabbat, plus le domaine de l'homme arrivé, il se chevauche. Donc en fait, cet espace intermédiaire, il a le droit de le marcher. Il a même le droit de revenir dans la ville et revenir à sa place. D'accord? Et la Mishnah, il y a un petit problème, comment comprendre maintenant la suite de la phrase. La phrase en elle-même, elle est simple, mais le rapport entre les deux. D'abord, je traduis la phrase. « Shekola yotzim le'atzil » car tous ceux qui sortent pour sauver quelqu'un, « chozrin nimkoman » ont le droit de revenir à la place. Bon, alors, j'explique déjà tel que la Gemara explique la Mishnah. Après, on aura un petit problème à expliquer le mot « she »,« car ». Car, tous ceux qui viennent. Mais la phrase, la Mishnah, en fait, elle est venue m'apprendre une autre halakha supplémentaire. Que la Gemara raconte. Qu'il y avait eu il devait y avoir une menace, une agression des ennemis qui sont venus pour faire la guerre. Les gens de la ville ont pris leurs armes, sont sortis en plein Shabbat, il n'y avait pas le choix, puis Kort Nefesh, on va en sauve. Ils sont sortis, ils ont fait la guerre, les autres, ils ont pris peur, ils sont partis. Lorsqu'ils sont revenus, ils avaient un problème avec leurs armes, ils ne pouvaient plus porter leurs armes en théorie pendant Shabbat. En théorie, on n'avait pas le droit de porter les armes pendant Shabbat. Et ils les ont mis dans un coin. Quand les ennemis ont capté l'histoire, ils sont partis prendre leurs armes, ils ont commencé à revenir. Alors, je me souviens plus exactement comment l'avion a expliqué, mais il y a eu un problème quoi qu'il arrive. J'ai un doute, est-ce que c'est les ennemis qui leur ont pris les armes ou est-ce que non, eux ils sont repartis prendre leurs armes qu'ils avaient cachées dans une pièce à l'entrée de la ville. Mais du coup, avec les ennemis qui sont arrivés, ça a fait un peu la cohue et le grand stress. Et du coup, ils ont paniqué, ils sont mis à se planter un et l'autre, ils sont tous morts. Peu importe quel était exactement le cas, j'ai un peu oublié le détail dans la Gemara. Mais ça revient en même, Krachamim ont fait un décret, tu sauves avec tes armes, tu rentres à la maison avec ton arme. Tu la laisses pas nulle part ailleurs, garde-la bien comme il faut chez toi et ne cours pas le risque. Et c'est ce que la Mishnah, elle a enseigné dans cette halakha. Tous ceux qui sont partis sauvés, ils reviennent à leur place avec leurs armes. Le Bartenor, il vous le dit, Rikamar, après je vais dans les détails. Le début du Bartenor s'occupe de faire la jonction entre le début de la Mishnah et la suite. Mais en tout cas, c'est écrit « Chatsu » et « Tirolem l'achzor bi kli zainan » ils leur ont permis de revenir avec le kli zain. Kli zain, c'est leurs armes. « Limkomam » leur place. « Volo yitzrichu laniach kli zainan » ils leur ont pas imposé. « Chachamim » leur ont dit « C'est pas la peine de laisser vos armes sur place. Vous les rentrez, vous les ramenez à la maison. » Le rapport entre les deux phrases. Regardez, on a parlé de deux choses différentes. On a dit que lorsque je vais sauver, si je sors en dehors, on me donne 2000 amas, et même si les 2000 amas ils vont entrer dans les 2000 amot de là où j'étais, je vais même pouvoir venir à la maison. Ça, c'est une première coula. Et la Mishnah, elle me dit aussi, il y a même une autre coula, que lorsque tu sors, tu as même le droit de revenir avec tes armes. Quel est le rapport entre les deux phrases, en fait? Le partenaire, il explique, c'est comme ça. Shekol, car tous ceux qui vont sortir. Chachamim, ils ont fait plein de permissions pour ceux qui sortent sauvés, en fait. Et du coup, ils te disent, tu sais, on te donne 2000 amas là où tu es, alors que c'est pas logique. Contre toute logique, mais parce qu'il faut alléger, sinon les gens ne vont plus aider, ils ne vont plus partir sauver. Donc, tout celui qui sort, il a le droit de revenir à sa place, car Chachamim ont fait avoir cette coula, qui l'ont même permis de revenir à sa place avec ses armes. Je vous soulève un petit problème technique que j'ai, que du Barthénora et dans la logique aussi, il ressort que on parle pas que des armes, on parle même, si c'est un médecin qui a dû sortir avec ses outils, il a le droit de revenir avec ses outils. Et même s'il est parti, je sais pas moi, il y avait un risque que c'est le fleuve qui allait déborder et faire des ravages et tuer des gens. Du coup, ils sont partis pour construire une digue. Ils sont partis avec des pelles. Tout ça, c'est pas des armes. Ça sort du Barthénora qu'en fait, Chachamim m'ont même permis de ramener leurs outils. J'ai un problème technique par rapport à l'histoire que je vous ai raconté, parce que le décret qu'il y a eu, c'est avec des armes spécifiquement. Il ressort, la machmoud du Barthénora, dans la logique même, c'est que... Pardon. C'est que n'importe qui peut revenir avec tous les outils qu'il a eu besoin. Comme ça, apparemment, ça ressort, j'ai pas vérifié dans la halakha qu'est-ce qui est écrit, comme ça, ça ressort du Barthénora, que n'importe toutes les armes, tous les outils qu'il a eu besoin, tu les ramènes aussi à la maison. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.